Bon, je te filmerai bien une intro, mais j'ai pas le time. J'ai pas le time parce que j'ai 50 000 pas à faire en une journée. Là, hein, t'as vu la miniature, t'as vu le titre. Quel intérêt? Eh bah écoute, déjà te montrer ce qui se passerait si tu faisais pareil. Qu'est-ce qui se passe quand on fait 50 000 pas en une journée? Et également, je vais y disséminer pas mal de conseils dans cette vidéo qui vont pas mal t'aider à changer ton approche de la perte de poids, notamment via la marche, mais également de la santé. T'as probablement déjà vu ma vidéo où je fais 25 000 pas par jour pendant 7 jours. C'est de loin l'une des plus vues de ma chaîne. Je t'avais déjà donné pas mal de conseils dedans et pour une raison ou pour une autre, je me suis dit que j'avais pas assez souffert dedans. Donc là, on part sur deux fois plus aujourd'hui. 50 000 pas, ça risque d'être assez musclé. Au passage, je vais également profiter pour aller un petit peu plus loin dans mes conseils. Donc là, où est-ce qu'on est ? Eh bien, nous sommes au Guildo. Ça, c'est le château du Guildo. On est en Bretagne. Je suis sur le GR34. Ça promet d'être assez intéressant. C'est une des plus belles randonnées, je pense, de France. Et en l'occurrence, là, je suis sur une partie que j'ai jamais faite. La dernière fois que j'ai fait une randonnée ici, on s'était arrêté au château du Guildo avec mon frère. Et donc là, je vais aller plus loin. Et tu vas m'accompagner là-dedans. On va faire un petit update et je vais en profiter pour te donner un petit conseil sur la marche. Bon, et ben on arrive à 10 000 pas, là, environ. Et le spot est plutôt pas mal pour fêter ça, non? Regarde ça. Qui a besoin de Bali ou de la Thaïlande quand on a ça en France, en Bretagne? Bon, du coup, 10 000 pas, là, j'en fais 50 000 aujourd'hui, donc il me reste à faire 5 fois ce que j'ai fait. Donc, il reste pas mal de chemin, quand même. Pour être honnête, mon précédent record, c'était 45 000, 46 000, il me semble, de mémoire. Voilà. Je suis pas arrivé à 50 000, donc j'ai jamais fait 50 000. Maintenant, est-ce que tu as besoin d'aller jusqu'à 50 000 Non. Voilà, spoiler, non. C'est pas du tout nécessaire, d'accord. C'est simplement un défi sportif qui est assez sympa à se donner. Et là, c'est l'occasion d'avoir un cadre un peu où je vais pouvoir te donner quelques conseils. Mais voilà, t'as pas besoin d'aller jusqu'à ces extrêmes-là de 50 000 pas. C'est un défi qui peut être un peu débile, entre guillemets. Mais bon, voilà, on est sur YouTube, hein, c'est la plateforme des défis débiles aussi. Mais tant qu'on te donne après des conseils un petit peu intelligents, c'est le principal. 10 000 pas, c'est exactement le genre d'objectif que toi, tu peux te fixer au quotidien. Donc là, je l'ai déjà fait. Ça représente, du coup, j'ai un rythme moyen de 4,4 km/h environ. Ça représente 1h30 de marche, hein, environ dans ces eaux-là. Hein, peut-être un poil plus en cumulé. Mais je vais donner d'autres conseils pour voir comment les appliquer au quotidien. Sur ce, plus que 40 000 pas. C'est parti. Là, c'est intéressant. On est sur une partie du GR où ça passe par la plage. Voilà. Donc, je vais traverser cette plage-là. On est près de 5A. 5A, le Guildo. Il y a un golf juste derrière. Donc là, qu'on ne voit pas d'ici, mais voilà, le spot est plutôt sympa. Là, j'ai passé les 12 500 pas environ. Ce qui est intéressant, c'est que c'est globalement ma moyenne. En moyenne, au quotidien, je fais entre 12 et 15 000 pas. Et ça paraît énorme vu comme ça. Et ça me paraît énorme là maintenant parce que je viens de les faire en fait. Je viens de les faire en un peu moins de 2 heures. Et du coup, là ça me paraît être un effort. Et c'est toute la différence en fait quand on le voit comme une activité à part, comme une activité dédiée. Donc là, j'ai consacré ce temps-là pour aller marcher. Alors qu'en fait, quand c'est dans mon quotidien, parce que mon quotidien, ma façon de vivre en général, fait que je fais ces 12 à 15 000 pas, bah je les sens même pas passer en fait. Je les sens même pas passer et il y a des méthodes, il y a des moyens pour ne pas les sentir passer ces pas. Oh, on va pas se mentir, la plage est magnifique, en plus on est mercredi, donc bah il y a personne en fait. On est hors vacances scolaires, mercredi, tout le monde travaille là, en fin de matinée. Et je me sens un peu privilégié de pouvoir profiter de tout ça, voilà. Et techniquement, je travaille là. Là, soyez sympa avec moi. Je suis quand même en train de travailler et en train de travailler dur. Parce que physiquement, je le sens en tout cas. J'approche des 20 000 pas. Mais pour être honnête, là, je cherche un endroit un peu abrité où je peux me poser pour commencer à manger. Parce qu'il commence à faire faim, on va pas se mentir. Là, il est 13h30 dans ces eaux-là.
Et je suis content d'être arrivé dans cette ville parce que bah, c'est une ville et j'ai pu me recharger en eau. En fait, je suis assez chargé. Hein. Dans mon sac, j'ai quand même deux gourdes. Donc, en tout, j'ai 1,5 litre d'eau sur moi. Donc, normalement, j'ai quand même mes réserves. Le truc, c'est que bah, je bois beaucoup d'eau. Je m'hydrate énormément. C'est une grosse habitude que j'ai. Alors, je pisse énormément aussi. D'ailleurs, est-ce que je suis le seul? Dites-moi. Là, depuis que je suis parti, 6 fois, 7 fois. Alors, je vais retirer ça. Hop. Je t'en avais parlé dans ma vidéo sur les 5 habitudes que je te recommandais pour perdre du poids sans effort. Et je t'avais déjà parlé de la marche à ce moment-là. La marche, c'est vraiment puissant, pas seulement parce que tu dépenses plus de calories, mais aussi parce que tu en consommes moins. En fait, tu vois, paradoxalement, tu as une courbe comme ça, en J, où les personnes les plus sédentaires, sont en fait plus d'appétit que les personnes qui sont moyennement actifs. Et donc qui vont marcher un petit peu davantage, qui vont être moins sédentaires, moins rester sur leur chaise, etc. Bien sûr, quand on commence à vraiment augmenter l'activité et qu'on va dans certains extrêmes, là l'appétit augmente en conséquence, hein, on est d'accord. C'est pour ça que t'es pas obligé de faire 50 000 pas par jour. Mais pour le coup, ne serait-ce que d'être autour des 7 500, 10 000 pas, ça te permet déjà de réduire ton appétit. Donc non seulement tu consommes moins, mais en plus tu brûles moins. Et si ça, c'est pas perdre du poids sans effort, en tout cas avec un minimum d'effort, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, on parle de manger moins. Moi, je brûle quand même beaucoup. Pas que au soleil, hein. J'ai mis de la crème, je suis équipé, j'ai la casquette, tout ça. J'ai quand même remettre de la crème, je pense, dans le coup. Mais pour le coup, là, j'ai vraiment envie de manger, me poser pour manger. Je commence à avoir faim. Et on va pouvoir parler un petit peu plus de la partie calories, d'ailleurs. Combien est-ce que je brûle, au final, de calories en faisant tous ces pas? Combien est-ce que je brûle? Combien je suis censé manger aujourd'hui? C'est un sujet que je pense est intéressant, mais bon, je vais chercher un endroit où me poser. Et en tout cas, on peut dire que cette randonnée, elle est vraiment canon. Et elle est canon cette randonnée, hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce que ce serait pas un endroit tout fait pour moi ça? C'est une table? C'est bien une table. Bon, par contre, petit problème que j'avais pas trop prévu, c'est que je me suis dit, bon bah le soleil est de ce côté-là. Si je vais de l'autre côté de la pointe, je vais être à l'ombre. Entre temps, en fait, le soleil, il a son zénith et il n'y a pas d'ombre. Genre pas du tout, nulle part, même sur la plage, il n'y a juste pas d'ombre. Donc bon, bah c'est tout, hein. Je serai au soleil, mais au moins je serai installé sur une table. Ça sera quand même déjà, ça sera mieux que rien. Normalement, je brûle pas trop. J'ai mis de la 50 partout, j'ai remis de la 50 partout. Enfin, partout, aux zones exposées, pas partout, hein. Non mais, je te vois venir, toi. Bref, time to eat, quasiment 14h15. Donc je vais m'installer et go quoi. Voilà, c'est très bien ça. Alors qu'est-ce qu'on a au menu? On a une petite tambouille qui n'a pas l'air très sexy, on est d'accord. Mais voilà, j'ai voulu faire efficace, un maximum de calories qui pèsent le moins lourd possible avec des protéines, etc. Et des kiwis, bien entendu, parce que les kiwis, c'est la vie. Trop bon. Bref, on en vient à la question. Combien est-ce que je vais brûler avec toute cette marche? Eh bien, tu brûles en général 5% de ton métabolisme de base tous les 2000 pas. C'est une estimation, bien sûr, de ce qu'on ressort de la recherche. C'est pas une valeur absolue, exacte, universelle, mais globalement, c'est ce qu'on estime. Une femme moyenne, en général, son métabolisme de base, donc c'est ce qu'elle brûle, même si elle reste assise ou allongée toute la journée, d'accord? C'est ça le métabolisme de base. Parce que oui, juste pour fonctionner, respirer, tes organes, tout ça, ton corps brûle des calories. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de métabolisme bloqué, mais c'est un autre débat et je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Du coup, une femme moyenne, je dirais qu'elle brûle entre 1300, 1500 calories environ au repos, son métabolisme de base, peut-être 1600 pour les plus grands gabarits. Là où un homme, il sera plutôt entre 1500 et 1800, je dirais, selon la masse musculaire, le poids général, etc. Parce que oui, même le gras brûle de l'énergie, mais bon, le muscle en brûle beaucoup plus. Donc avec cette journée, avec 50 000 pas, parce que ça peut paraître abstrait si on dit 5% tous les 2000 pas, avec ces 50 000 pas, je vais brûler, tiens-toi bien, 4000 calories sur la journée. Voilà, 4000 calories sur la journée, dont 2200 juste avec la marche. Juste avec la marche. Donc ça fait beaucoup quand même, c'est pour ça que j'ai pris un petit déjeuner ce matin. Normalement, je fais le jeûne intermittent. Bon, là, j'ai pris un petit déjeuner, environ 500 calories, c'était léger, mais voilà. Là, j'ai environ 800 calories, je dirais, là-dedans, avec mes deux kiwis. Attends. Bon.
pas m'en foutre partout. Ça me fait 1300 calories consommées jusqu'à ce midi. Ce soir, il me restera 2700 calories à consommer. Alors bien sûr, je ne vais pas les consommer en un repas. C'est pas le but. Je pense que je ferai un peu moins. En tout cas, suffisamment pour pas aller au-delà du déficit acceptable, on va dire. Alors dedans, on a des raisins secs, des flocons d'avoine, avec de la noix de coco, avec du beurre de cacahuète et des protéines, du coup un mélange de whey et de caséine, donc les deux types de protéines de lait, histoire d'avoir un truc bien 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 consistant quoi. Et franchement c'est super bon, c'est meilleur que ça en a l'air en tout cas. Du coup là on est sur le point de passer la barre des 20 000 pas, et pour être honnête, ça va moins vite que ce que je pensais. Je pensais que ça passerait un peu plus vite quand même. 20 000 pas, je suis déjà en train de déjeuner, il m'en reste, ça va, il m'en reste plus que 30 000. Putain, dans quoi je me suis embarqué moi. Donc là je pense que je vais finir la pointe de 5K. Et ensuite je vais faire demi-tour en fait. Voilà, je vais reprendre le même chemin hein, parce que sinon c'est par la route, donc c'est pas intéressant, je vais rester sur la côte. Et comme j'ai pas de voiture au bout qui m'attend ou de personnes qui vont pouvoir me reconduire, je vais pas me la tenter de faire juste 50 000 pas dans une direction et de pas savoir comment rentrer. Donc je pense que ça va être la stratégie. Je te dis ça comme s'il y avait vraiment une stratégie, mais clairement j'aurais pu préparer ça un petit peu mieux je pense. Allez, c'est reparti. Allez, 20 000 pas. On a fait 20 000 pas, c'est déjà pas mal. Encore 5 000. Et on fait demi-tour. Et puis on sera bon. Petit point de vue qu'en vaut la peine pour le coup. T'aimes ça les huîtres? Bah, regarde ça. Hop là, tout ça. Tout ça, c'est de l'élevage d'huîtres, ça. Du trou de moule. Putain, je sais pas du coup. Du trou de moule. Est-ce que tu sais? Voilà, je suis dans la baie de 5A. Est-ce que tu sais si ce sont des huîtres ou des moules? Bon, 22 000 pas. 22 000 pas. Encore 3000 et je fais demi-tour. C'est beau, mais là ça commence à taper sévère. J'ai croisé un monsieur qui me disait « Eh, c'est pas vraiment la bonne heure pour se faire le sentier des douaniers. » Sans blague. Ça me ferait chier de me retrouver complètement cramé. Alors normalement, j'ai vraiment blindé sur la crème. Mais c'est pas forcément la meilleure idée du monde que de s'exposer aussi longtemps pour le coup. Là, je t'avoue que je commence à le ressentir dans les jambes. J'ai bien fait de pas finir ma séance jambière. Alors j'espère que mon coach regarde pas cette vidéo. 25 000 pas. Bon, je t'avoue, ça m'arrange. Parce que là, ça descendait et j'avais pas envie de remonter ça. Bon, on a 25 000 pas. Je fais demi-tour. Et normalement, le temps d'arriver à la voiture, je devrais être à 50 000. Alors tu vois, 25 000 pas, c'est ce que j'ai fait tous les jours pendant 7 jours dans une vidéo. Là je pense avoir dépassé les 25 000 pas, hein. Je vais voir quand je serai rentré à la maison. C'est plutôt bien goupillé et j'ai pu faire le travail que je voulais faire. Et je me souviens déjà qu'à la fin, vraiment à la fin de chaque journée, je me sentais exténué. Je dormais particulièrement bien, hein. J'étais vraiment vraiment fatigué en fin de journée, donc forcément je dormais bien. Et c'était un vrai effort conscient. Tout en maintenant mon activité du quotidien, etc. Je travaillais sur mon téléphone. Enfin, j'essayais, parce que c'est vraiment ça, hein, une des clés pour intégrer des pas dans ton quotidien, c'est d'intégrer la marche à des actions, des activités que tu fais déjà. Et en l'occurrence, y a pas mal d'actions que je sais que je peux faire sur mon téléphone et que je peux faire du coup en marchant. Quand j'ai des appels clients, par exemple. Quand je révise mes langues sur une application, parfois même un podcast, une vidéo, des livres audio. Si tu aimes bien lire, tu vois, juste le fait de passer en livre audio, c'est un bon moyen de dire tu vas faire une balade, une petite balade du soir par exemple, avec ton livre dans les oreilles. Et ça, c'est plein de petites habitudes, tu vois, qui toi te changent pas grand chose. J'avais une cliente qui me disait moi je me forme, j'ai pas mal de formations que je regarde en ligne, etc. Donc j'ai pas forcément le temps de marcher. Et je lui dis mais. Regarde les vidéos de formation sur ton téléphone et marche dans un parc, ailleurs tu peux marcher en même temps. Et voilà, c'est ça en fait la clé, c'est de l'intégrer dans ton quotidien. Ça peut être des trajets aussi, des trajets de ton quotidien que tu as l'habitude de faire en transport, que tu as l'habitude de faire en voiture. Peut-être que ces trajets, tu peux les faire à pied ou en vélo d'ailleurs. Moi je te parle de pas comme d'une mesure comme une autre, hein. C'est une façon de mesurer ton activité de la journée. Mais le vélo ça compte aussi comme le fait de bouger, de lever tes fesses de ta chaise pour le coup. Si tu veux une estimation, 10 minutes de vélo, ça correspond environ à 1000 pas. Allure vraiment normale, hein, allure de croisière, pas en effort sportif intense. T'es environ à 1000 pas, donc ça te permet de te situer à peu près. Maintenant, je sais ce que tu vas me dire. Parce qu'on est en 2023.
Donc tu vas me dire, ouais mais Clément, moi j'ai des journées, je fais du télétravail. Quand je fais du télétravail, bah je bouge pas de chez moi. Mais ça c'est ton choix en fait, parce que tu as le temps que tu économises à ne pas faire ton trajet du coup pour aller jusqu'à ton travail, tu pourrais l'utiliser pour marcher. Tu as gagné ce temps-là, utilise-le pour marcher, peut-être autour de chez toi, te faire une petite balade. Utilise ce temps-là, rentabilise-le pour ta santé. Je pense que c'est important. Et d'ailleurs, la marche au-delà de la perte de poids a vraiment des vertus pour la santé. Mais là aussi, je t'en dirai un petit peu plus après. Bon, on va pas se mentir, là, c'est avec pas mal de dénivelé sur des sentiers, etc. Donc, c'est quand même assez fatigant de me dire que je suis que à la moitié. Bon, je suis quand même content, hein, là, d'être à la moitié et de pouvoir repartir. Mais voilà, me dire que je suis que à la moitié, c'est quand même un petit peu décourageant. Je suis physiquement... je commence à fatiguer un peu. Il est 3h15. J'espère quand même pouvoir être rentré avant 19h, quoi. Ça serait cool. Ouais, ça serait cool, ouais. Tu vois, tous les kilomètres, il y a des bornes comme ça. Des bornes, bon, SOS... en mode au cas où il y a besoin pour les secours, mais ça nous donne aussi à peu près le nombre de kilomètres. Je sais qu'au moins dans 20 kilomètres, dans 20 kilomètres, je m'approcherai de, bon voilà, des dernières distances qui me séparent de ma voiture. Garde espoir. On est de retour à 5A, le port de 5A qui est juste là. Et on vient de passer la barre fatidique des 32 000 pas. Et pourquoi je te parle des 32 000 pas en particulier? Eh bien parce que c'est le nombre de pas que faisait Scott Murray au quotidien. Alors Scott Murray, j'ai fait une vidéo dédiée, c'est un de mes youtubeurs préférés. Il brûlait plus de 5200 calories par jour, ok? Notamment en faisant 32 000 pas par jour, mais pas que. Mais pas mal de techniques, etc. Je te les détaille d'ailleurs dans une vidéo dédiée. Je te la fais apparaître juste là, si tu l'avais pas vu. Et donc le simple fait de me dire que là, l'effort que je viens de faire, ce bonhomme le faisait absolument tous les jours. Tous les jours, sans exception. Il a fait tous les jours pendant plus de 4 ans, il me semble. Bah, c'est un grand malade. Enfin, c'était un grand malade. Il aurait eu 29 ans le 3 juin, comme moi d'ailleurs. On était nés exactement le même jour. Et si je parle au conditionnel, c'est parce que Scott Murray nous a quittés, notamment à cause de surmenage, notamment à cause de tout ça. Je te le détaille un peu plus dans la vidéo dédiée. Mais voilà, il faisait 32 000 pas par jour. Là, je suis très honnêtement assez fatigué. Et le simple fait de me dire que ce mec-là, en plus de s'entraîner à la salle tous les jours, sans exception, faisait 32 000 pas, ça me dépasse. Et à partir de là, voilà, on va continuer à discuter et je vais essayer de t'apporter un maximum d'aide sur cet appel. Bon, on vient de passer la barre des 40 000 pas. Je vais pas te mentir, ça commence à être dur. Ça commence à être vraiment dur. J'ai les jambes complètement fatiguées. J'ai les deux doigts de pied du milieu de mon pied droit qui commencent à me faire un peu mal. Ça doit pas être joli là, mes pieds en dessous. Je sais pas si j'ai des ampoules ou quoi. Je pense pas non plus, mais enfin, ça commence à taper sévère. En plus, il reste tellement de distance là. Techniquement, juste 10 000 pas, hein, mais j'ai regardé sur la carte. J'ai l'impression que ça me paraît encore un petit peu loin, mais bon, j'espère pas arriver trop tard non plus. Là déjà sur cette partie là c'est très cool, c'est qu'il y a plus d'ombre. Ouh là, regarde, la mer elle a bien baissé. C'est ça qui est très sympa avec la Bretagne, c'est que même en faisant le même chemin dans l'autre sens, bah regarde, le paysage il change complètement. Là toutes les moules ou les huîtres, eh bien elles sont à découvert parce qu'on est à marée basse. Voilà pour ta culture générale dans cette partie de la Bretagne. Pas loin de la baie de Saint-Malo et du coup du Mont-Saint-Michel derrière. Eh bien la différence de profondeur entre la grande marée basse et la grande marée haute, elle est de 13 mètres. 13 mètres, c'est énorme. Et ça change tous les 6 heures du coup. Marée haute, marée basse, c'est tous les 6 heures, 6 heures et demie environ. Du coup, bah, le paysage il change tout le temps. Et c'est très beau, c'est très sympa. Et forcément, tu doutes bien qu'avec 13 mètres de profondeur de différence, ça change beaucoup sur le paysage. Bon, tout ça pour dire que je viens de faire un appel avec une cliente, du coup, en visu avec mon téléphone tout en marchant. Pour être honnête, c'était difficile de réfléchir. J'ai tout donné pour être assez clair, lucide et lui apporter de la valeur. Mais là, c'était quand même un peu dur. Bref, on est sur la dernière partie. On a fait le plus dur, normalement. Mais la barre des 40 000 pas, elle fait un petit peu mal, quand même. On va pas se mentir. Surtout que les fois où, auparavant, j'ai fait 40 000 pas,
Je suis déjà monté à 46, 47, j'ai jamais passé la barre des 50 000. C'était étalé vraiment sur toute une journée en fait, avec les activités du quotidien. Là, c'est vraiment, je fais que marcher depuis tout à l'heure. Et c'est vraiment, vraiment condensé. En plus, sur des sentiers avec des hauts et des bas, c'est pas comme si c'est en ville, plat, etc. Donc, c'est pas évident. Oh, regarde ça. C'est complètement sec. Tout à l'heure, c'était complètement rempli. Et là, du coup, ils sont en train de récolter les moules. Ou les huîtres, je sais pas. Bon, j'avais déjà ça à l'aller. Mais là, j'ai pas la foi. Faut quand même pas être gros pour passer là. Allez, plus que 5000 pas normalement. Je vais pas te mentir, j'en ai marre. Ça me saoule. J'ai juste une envie. Là, c'est de rentrer. Je vais me faire des pâtes. Je vais me faire des grosses pâtes salaces avec de la burrata à la truffe. J'en ai rien à foutre. Et si le glacier il est encore ouvert, je me ferai une glace. Voilà. Franchement. Si c'était à refaire, sachant que je ne le referais pas, mais si c'était à refaire, je pense que j'aurais opté pour un sentier de ville, tu sais, un truc plat. Alors oui, c'est moins beau, là pour le coup il y avait des paysages magnifiques et c'est incroyable. Pour être honnête, au retour j'en profite un peu moins, parce que là j'en ai un peu plein les baskets, parce qu'on va rester poli. Mais voilà, si c'était à refaire, ça aurait été un truc un peu plus plat, j'aurais pu potentiellement faire des choses sur mon téléphone en même temps, travailler, etc. Oula. Mais là, voilà, putain, j'en ai tellement marre, je trébuche sur n'importe quel truc parce que j'ai les pieds qui commencent à traîner un petit peu. Donc oui, c'est beau, c'est très beau même, mais là, ça me saoule. Là, ça me saoule. Oh putain, on le connaît ce château là? Le château là-bas, là. Est-ce que ce serait pas le château du Guildo d'où on est parti? Est-ce qu'on serait pas sur le point d'arriver là? Ouh. La réponse était là depuis le début. C'était les deux. Il y a des huîtres et des moules. Même quand tout paraît obscur, quand tout paraît sombre, quand on perd le moral, il faut chercher cette petite lueur, cette petite chose qui vient égayer ta journée. Ben voilà, maintenant je saurai. Dernière petite montée là. Ah la vache. J'ai mal partout. Sérieux. Sérieux, là je suis à bout, j'en peux plus. Ça devrait être dans le coin. Je sais même plus, j'arrive plus à réfléchir. Oh. Je crois que je la vois. On a un petit bout vert de ma voiture qui dépasse là. Je crois que je la vois. Déjà, est-ce qu'on est bon au niveau des pas? 50 861 pas. Ah putain, j'ai jamais été aussi content de voir ma voiture de toute ma vie. Là, je pense qu'il y a un truc, c'est que voilà, je prends la voiture, on va rentrer, prendre une douche très rapide. Parce que là, la priorité, c'est de manger, on va pas se mentir. J'ai tellement faim. Allez là, elle est belle, hein. Ouf. On est parti. Bilan, parlons-en. Du coup, en rentrant, chose promise, chose due, c'est parti en burrata à la truffe, gros plat de pâtes. Mais le glacier était fermé. Donc, heureusement, j'ai couru à la supérette du coin. J'ai pu m'acheter une grosse glace Ben & Jerry's. Ça, c'était bon. Donc, j'ai quand même beaucoup mangé. J'ai beaucoup, beaucoup mangé. J'arrive à peu près à l'objectif de calories que je m'étais fixé. Mais ça m'a pas empêché quand même ce matin de peser presque 1 kg de moins que la veille. Alors bien sûr, c'est beaucoup d'eau, beaucoup de glycogène dans les muscles, etc., etc. Toujours est-il que je me sentais même pas si lourd que ça en allant dormir. Mais en parlant de sommeil, il y a quand même des gros inconvénients à ce qui s'est passé hier. Et je vais y revenir tout de suite. Bon, j'en ai aussi profité pour me passer de l'après-soleil que j'avais encore d'Afrique du Sud. Le truc très puissant qui te fait te sentir presque... En fait, t'as froid, limite, quand tu le mets, ça vraiment, ça rafraîchit de ouf. Et donc, je l'ai mis un peu partout. Globalement, je m'en sors bien. Pas de gros coups de soleil, à l'exception de deux endroits. À l'arrière de l'épaule, où j'ai mal mis ma crème, en fait, quand je me la suis mise moi-même. J'ai un peu négligé cette partie-là, donc là, la partie-là, elle est complètement brûlée. Et bon, ça va, c'est petit. Et sinon, bah, le seul endroit où on oublie tout le temps de mettre de la crème, en tout cas, moi, j'oublie. Les mollets, voilà, j'ai des coups de soleil aux mollets. Alors pas des gros coups de soleil, mais voilà, ça brûle un peu les mollets. Comme s'ils n'avaient pas déjà assez morflé, tu vois. J'ai déjà mal aux mollets, mais pas à cause des coups de soleil. Maintenant, c'est quoi le sens de toute cette expérience? Bah écoute, ça m'a vraiment appris
ça m'a vraiment montré une chose qui est vraiment essentielle, c'est que même si effectivement la marche a vraiment beaucoup de bienfaits et pas que pour la perte de poids, la marche, il faut savoir qu'une personne qui fait moins de 3000 pas par jour et donc qui est ultra sédentaire, et c'est le cas de la majorité des gens aujourd'hui, c'est probablement ton cas aussi, et bien cette personne-là, quand elle fait plus de 7500 pas par jour, autour de 7500-8000 pas par jour, elle baisse son risque de mortalité, toutes causes confondues, de 50%. C'est énorme, deux fois moins de chances de mourir pour 7500 pas, ça va très vite. Ça monte vers 60% vers les 10000 pas, mais en fait, il y a ce qu'on appelle le point de rendement décroissant. En gros, il y a vraiment ce point à partir duquel les pas que tu vas faire en plus deviennent moins intéressants. Donc pour ce qui est typiquement de la santé, en plus de la perte de poids, je dirais que le point de rendement décroissant, il arrive autour des 10 000 pas environ, autour des 10 000 pas, et c'est pas pour rien qu'on parle des 10 000 pas, c'est vraiment là où ça devient un petit peu moins rentable, on va dire, d'aller pousser l'effort et d'aller beaucoup plus loin, d'accord ? Donc pour ce qui est de la santé pure et dure, là, par exemple, si tu regardes le graphe, 50 000 pas, si je fais ça tous les jours, on serait vers les 80%, la différence d'effort, elle n'en vaut vraiment pas la peine, parce que l'effort, il est vraiment là. C'était, de ce que je me souviens de mon challenge de 25 000 pas par jour pendant 7 jours, c'était pire que le double en fait. C'était vraiment au moins 5 ou 6 fois plus dur de me faire 50 000 pas dans la journée que de faire 25 000 pas par jour pendant 7 jours. Donc même si à la fin des 7 jours j'étais content de plus y être, là vraiment en fait la différence d'effort qu'il faut pour arriver jusque là n'est pas du tout proportionnelle en fait au bienfait qu'il y a derrière, et surtout qu'il y a plusieurs conséquences à ça. Déjà, bah, je suis exténué, c'est pas pour rien que je te fais le débrief le lendemain, c'est parce que j'avais la flemme hier soir en fait, j'avais vraiment la flemme, je voulais juste rien faire, voilà, je vais pas bouger, probablement que je vais pas faire mes 10 000 pas aujourd'hui, alors je sais pas, je suis pas sûr, mais c'est pas impossible que je les fasse pas aujourd'hui, tellement j'ai juste pas envie de bouger. Et donc c'est vraiment ce point là dont je parle en fait, où au-delà d'un certain effort, c'est plus vraiment rentable d'aller plus loin parce que tu vas surcompenser. J'ai pas bien dormi non plus, voilà, j'étais tellement exténué. Et donc là où, encore une fois, faire 10, 15 000 pas, on se rend compte quand on prend cette habitude là que ça améliore vraiment le sommeil au-delà d'un certain seuil. C'est plus vraiment intéressant. Je dirais qu'en gros, pour la santé de manière générale, 10 000 pas, c'est le point de rendement décroissant. Et pour ce qui est de la perte de poids, de la dépense énergétique, le rendement, genre énergie dépensée et ressenti au niveau de la récupération et tout, je dirais 15 000, 20 000 pas grand maximum. Au-delà, c'est plus intéressant. Tu vois, je me demandais si à la fin, j'allais pas faire un petit appel à l'action du genre « Hey, si cette vidéo atteint les 1000 pouces bleus, je ferai les 100 000 pas !» Mais c'est mort! Jamais, mais jamais je fais ça! C'était plus dur que mon semi-marathon, ça c'est sûr. Déjà là, les 50 000 pas. Et quand on regarde YouTube, les rares personnes qui l'ont vraiment tenté, je vais pas regarder toutes les vidéos, je sais pas s'ils ont réussi, mais les rares personnes qui l'ont tenté, c'est pas des vidéos qui ont vraiment marché. Donc le jeu en vaut même pas vraiment la chandelle, c'est pas un défi que j'ai envie de faire, voilà. Puis faire deux fois ce que j'ai fait, ça serait même pas deux fois plus dur en fait, ça serait tellement plus. Donc non, je le ferai pas. Mais ça n'empêche pas que tu peux mettre un pouce bleu si t'as kiffé cette vidéo. Si tu veux le détail des données, j'ai fait environ 37 bornes du coup. J'ai marché environ 37 km. C'est pas mal. C'est pas mal. Nouveau record battu du coup. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, c'est quoi toi ton record? Le nombre maximum de pas que t'as marché dans une journée? Ça m'intéresse. D'ailleurs, si tu n'avais pas vu du coup ma vidéo où je fais 25 000 pas par jour pendant 7 jours, là, je le fais de manière beaucoup plus intelligente parce que je dois travailler en même temps. Donc, je te montre comment je l'intègre vraiment dans mon quotidien et comment je fais les 25 000 pas sans pour autant manquer à mes obligations professionnelles. Là où je t'ai complètement dans cette vidéo. Donc, si tu veux la voir, je te la mets juste là. Et si ton objectif principal, c'est la perte de poids, bah, j'ai fait une formation gratuite qui s'appelle Les secrets de la perte de poids. Tu peux la recevoir gratuitement en cliquant sur le bouton juste là. Sur ce, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Ton corps te remercie. Salut.